Good morning! J'espère que vous allez bien. Je suis couettée ce matin, ça fait pas si longtemps que je me suis réveillée. Ben, à peu près une heure. Il est 9h10. Là, je suis dans ma chambre, là, je viens d'ouvrir les rideaux, ça fait du bien. Sauf que, on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres ce matin. Ben, on aurait le droit, là, mais ça serait à nos risques et périls, là, parce que, par chez nous, je vais juste éteindre ça, là, mais mon fils vient de se réveiller, je vais aller le chercher. Mais je vais juste finir dans le fond ce que je vous disais. Ouais, par chez nous, là, c'est les gros feux. Au point que l'armée est venue nous aider. Il y a aussi du monde de Québec, du Saguenay. En tout cas, de plein de places qui sont venues nous aider parce que nous, c'est ça, les feux sont vraiment, comment ils disent ça, hors contrôle, là, sont extrêmes. J'ai aussi l'impression que cette nuit, c'est vraiment, les feux, ils ont comme grossi. Puis là, ce matin, on s'est réveillé, puis l'air est vraiment, c'est mauvais, là, c'est très mauvais. Fait que je vais garder Clara avec moi aujourd'hui, j'ai pas envie de la sortir, puis c'est ça, là, t'sais, c'est mauvais l'air, fait que je vais laisser les fenêtres fermées. C'est moins grave, là, qu'il y a une heure, mais quand même, l'air est so-so pareil, là, ce matin. Fait que je vais la garder avec moi. Et de toute façon, j'avais déjà prévu parce qu'il y a une préalerte, là, évacuation. En tout cas, à l'endroit de sa garderie, là, dans ce coin-là. Fait que je vais la garder avec moi aujourd'hui. Et si la préalerte est encore en vigueur pendant 24 heures encore, demain aussi, je vais la garder avec moi. Parce que là, je veux pas que son éducatrice soit stressée s'il faut qu'elle se fasse évacuer ou quoi que ce soit, puis que là, faut qu'elle gère les enfants en plus de ça. Fait que, tu sais, au moins, ça a... Ma fille, en moins, je sais pas si elle a des enfants, là, aujourd'hui. Mais en tout cas, ça, là, ma fille, en moins, ben, c'est déjà ça, tu sais, parce que c'est ça, là, c'est stressant. Nous, on a eu des évacuations à des petites villes proches de chez nous. En tout cas, le centre-ville est pas... évacuer là en ce moment, en tout cas. S'il faut évacuer la ville de Sept-Îles au complet, là, c'est sûr qu'ils vont y aller par comment on dit ça? Par secteur! Parce que j'étais censée m'asseoir, hein? Ah, ok. Je vais aller m'asseoir ici. C'est sûr qu'ils vont y aller par secteur, ils diront pas ok, la ville de Sept-Îles est à évacuer au complet, là, c'est quand même... Ah! Mon dieu, je vais tomber. C'est quand même... c'est beaucoup de monde, là. Fait qu'en tout cas... Fait que là, est-ce que j'ai hâte de voir, là, on a un point de presse à 10h30. J'ai hâte de voir si dans le fond, ça s'est amélioré ou non. Mais en tout cas, il y avait vraiment full de boucan ce matin. Et l'air était, dans le fond, tu sais, vert, jaune, orange, rouge. Après ça, c'est quoi? C'est mauve et brun. À Sept-Îles, nous, c'était comme un mauve vraiment foncé. Ça allait pas vraiment sortir, là. Mon chum est allé travailler ce matin, mais tu sais, comme ils ont dit, là, vous devriez mettre des masques N95. Ou comme moins sortir, là, tu sais. Mais là, c'est moins pire, là. Tu sais, comme là, on est dans le rouge, fait que c'est moins grave, je dirais, là. Fait que probablement, au cours de la journée, ça va être moins grave. À moins que là, je sais pas, il y aurait... full de boucan, là, puis que ça deviendrait vraiment plus grave au courant de la journée. Mais en tout cas, j'ai vu sur Facebook, là, je suis pas vraiment capable d'aller voir sur le site de la SOPFEU. Là, je comprends comme plus ou moins comment savoir si le feu a grossi ou pas. Mais selon ce que j'ai vu sur Facebook, le feu aurait grossi. Oh! Je me fais appeler et je vous en reviens. Bon, fait que je suis encore dans ma chambre. Je suis venue chercher ma caméra, je me suis dit « Ah oui, c'est vrai, je leur parlais à eux autres. » Mes enfants sont levés, il est rendu 9h30 en passant. Coucou mon Jazz! Salut! Allô Clara, toute fouettée comme maman. Mais oui, regarde! Fait que je sais plus ce que je vous disais, mais en tout cas, ça pour dire que j'attends le point de presse de 10h30. Et à partir de là, bon, on va savoir, mais là, l'air est rendu... Tu sais, tantôt, je vous parlais, c'était presque dans le brun, là. Mais là, elle est rendue verte. Fait que c'est très bon signe. Je sais pas s'il va y avoir des évacuations aujourd'hui.
Mais en tout cas, on va savoir ça. On va savoir ça dans les. Ben, dans la prochaine heure, dans le sens que le point de presse est à 10h30. Donc là, j'attends encore un petit peu. Parce que même si l'air est verte en ce moment. Excusez, hein, je suis comme claire, pas claire, claire, pas claire. Ah, regarde, yeah, je suis de retour un petit peu plus claire. Ouais, même si l'air est verte en ce moment, j'attends encore un petit peu pour ouvrir les fenêtres. Il fait vraiment chaud ici dans la maison. Même à ça, j'avais une heure climatisée. J'aurais même pas le droit de l'ouvrir, là, vu que l'air était vraiment super malsaine. Fait que c'est ça, les nouvelles. Moi, je suis pas visée là, dans l'évacuation, dans la préalerte d'évacuation du. Je suis soufflée du prochain. La prochaine place, là, du prochain. Comment t'appelles ça? Secteur, du prochain secteur. Tantôt aussi, je cherchais le mot. Hein. Mais je suis pas visée par le prochain secteur. Fait que moi, je suis correcte. Mais c'est ça, là, j'ai de la famille. Dans le fond, tes parents, Maxime, eux autres faisaient partie de l'évacuation. Le vendredi, je me trompe pas. Fait qu'eux autres sont rendus chez la soeur à Maxime. Mais la soeur à Maxime, elle a fait partie de la prochaine évacuation. Fait que ça serait pas le fun qu'il aurait à faire une autre évacuation, les parents à Maxime. Puis même à ça, la soeur à Maxime a des enfants, puis tout ça, là. Fait que ce serait vraiment pas le fun. Bref. Non, pas tout de suite. OK? Fait que. Ouais, mais pas tout de suite, OK? Là, maman a fini juste de parler, puis après ça, on va s'en aller. En bas. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir le point de presse, mais selon moi, vu que l'air est meilleur ce matin, il n'y aura pas d'évacuation, là, même si ça. L'évacuation a comme pas vraiment rapport, je crois, avec la qualité de l'air. Ben oui, oui, mais tu sais, dans le sens que si le feu il s'approche, tu sais, aussi devrait avoir une évacuation. En tout cas, on verra bien, mais j'ai pas l'impression qu'il va y avoir quoi que ce soit, là, une évacuation ou quoi que ce soit. Moi, je pense qu'ils vont dire que ça va bien. Parce que c'est juste ce qu'ils disent depuis des jours. Que oui, le feu est hors contrôle, mais ça va bien. Fait que j'ai hâte de voir si ça a changé, mais il avait fait une alerte hier soir que, dans le fond, entre la nuit de dimanche à lundi, qu'il allait avoir vraiment beaucoup de boucans. Fait que, à voir! Fait que je vous tiens au courant, mais de toute façon, vous allez juste voir ça dans une semaine. Parce que j'ai pas encore mis le vlog en ligne que j'ai filmé il y a une semaine. J'aimerais ça le mettre, finir... aujourd'hui le montage et après ça. Hey, checkez ça, mon chat, comment il est beau. Il a tellement pris du poids, là. Salut, mon chat. Oh. Il est sur son arbre à chat, là. Il regarde la fenêtre. Fait que moi, je vous laisse pour l'instant. On se reparle un petit peu plus tard. Et moi, je m'en vais faire manger mes enfants. Je vais aller faire un petit peu de ménage puis tout ça. Je vais essayer de travailler aujourd'hui, mais avec les deux enfants, je sais pas si ça va être... vraiment facile. Et après ça, ça va être les siestes. Clara fait juste un repos, elle fait pas de sieste là, après son iPad, puis elle va se relaxer dans sa chambre. Fait que pendant ce temps-là, je vais m'entraîner. Aujourd'hui, c'est un entraînement de 20-25 minutes, fait que je vais pouvoir m'entraîner. Je vais essayer de travailler, finir mon montage de la vidéo, dans le fond, des clips que j'ai filmés voilà une semaine. Puis après ça, ben c'est ça, là. Faut que je fasse à souper, faut que je fasse plein d'affaires. Parce que mon chum travaille aujourd'hui, fait que je suis seule avec ses enfants. Et je dois travailler en plus de ça. Fait que je vous laisse. Ils sont vraiment drôles. Checkez ça. Jasmine. Elle a chanté, lui il applaudit. Checkez. Bon, il y a des céréales à terre. Bon, il veut plus danser. Fait qu'il veut plus danser. Je peux pas vous le montrer. Fait que moi, je voulais, je m'en vais faire mes affaires. Puis on va s'en parler un petit peu plus tard.
Bon ben, il est rendu 11h10. Bon, j'ai un petit homme qui est fatigué. Il est tout seul, il vient de manger un biscuit. Je viens d'écouter le point de presse. Et ça va pas super bien. On a le droit de sortir, on a le droit de faire ce qu'on veut, mais ce qui est recommandé, c'est d'être à la maison, pas sortir, pas ouvrir les fenêtres. Vraiment là, tu sais, pour. Parce qu'ils disent que l'air est vraiment. C'est très mauvais aujourd'hui. C'est mieux que ce que c'était ce matin, mais c'est encore très très mauvais. Clara, tu vas briser, s'il te plaît, arrête. Fait que. Bref, les feux sont encore hors contrôle, sont encore très imprévisibles. La préalerte d'évacuation du prochain secteur est encore en vigueur pour un autre 24 heures. Puis l'évacuation des. Parce que je pourrais dire des petits villages autour qui a été évacué, qui était vraiment près du feu, est encore en vigueur pour un autre 24 heures. Fait que. Clara, c'est pas grave. Attends un instant. Fait que, en tout cas, on va voir au courant de la journée. Ils disent que, tu sais, comme c'est encourageant parce que le vent s'en va vers le nord au lieu de vers l'est. Mais, il pourrait changer n'importe quand, dans le fond. Puis, tu sais, ce qu'on voudrait, c'est de la pluie. Puis, il en annonçait la semaine passée de la pluie cette semaine. Et là, il en annonce. Il annonce pratiquement rien comme pluie. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que ça nous aiderait. Mais tu sais, comme il annonce 10% de pluie, là. Ah, ben il en annonce. Ah! 98% de pluie mardi. Fait que demain, il devrait pleuvoir. Fait que ça nous aiderait quand même beaucoup. Fait que, en tout cas, on va voir au courant de la journée s'il faut faire des évacuations. Mais en tout cas, tu sais, comme je vous disais, il y a l'armée. Il y a des gens qui sont venus. Jasmine, hello. Il y a des gens qui sont venus de. Plein de place pour nous aider. Fait que, en tout cas, on va se croiser les doigts que les choses aillent bien. Mais en tout cas, en attendant, moi je reste à la maison. C'est sûr, je vais pas sortir les enfants. Là, c'est ce qui est recommandé. Je vais écouter les recommandations. Puis j'ai un petit bébé, j'ai des enfants à la maison. Fait que, tu sais, ils sont comme plus fragiles. Fait que j'ai pas envie non plus. C'est que c'est difficile de respirer là dehors là, tu sais. Tété. Tété. Ouais. Fait que oui, un. Fait que c'est ça, fait que là comme vous avez vu, j'ai mangé, ben non, je vous ai pas montré mon déjeuner hein. Mais en tout cas, j'ai fait manger les enfants, j'ai mangé, j'ai fait la vaisselle, j'ai joué un petit peu avec mes enfants en écoutant le point de presse avec mes écouteurs. Fait que les nouvelles, c'est ça, sont pas très encourageantes. Mais on se croise les doigts. Moi, je suis deux, maman. Ok, seulement deux. Ok? Ils disent aussi que, tu sais, ça paraît loin, là, tu sais, quand on est en bas, là. Mais tu sais, quand ils sont dans les airs, là, c'est vraiment plus proche que ce qu'on pourrait le croire. C'est vraiment impressionnant. Fait que c'est pour ça que c'est des alertes de prévention. Là. C'est sûr qu'ils vont pas attendre que le feu soit rendu à 5 mètres de chez nous puis là on va évacuer. Là. C'est vraiment des évacuations de prévention. Mais pour le moment, en tout cas, ça va bien parce que ben, le feu s'en va vers le nord au lieu de vers nous. Mais c'est grâce au vent. Mais le vent pourrait changer n'importe quand. Donc, moi, je m'en vais m'occuper de mes petits loups. Je vais aller les coucher vers midi et demi à peu près. Là. Vu qu'ils ont déjeuné vers 10h, 10h30, je ne vais pas vraiment les faire dîner. Même que c'est rare que mes enfants dînent. À part Clara, ça va à la garderie. Là, mais Jasmine, l'habitude, va faire sa sieste à 11h. Mais là, je vais essayer de le durer encore une heure. Fait comme ça, moi, je vais pouvoir aller m'entraîner et travailler cet après-midi. Ben, j'ai des choses à faire au travail, puis il faut que je fasse mes heures cette semaine. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, au pire, tu sais, je pourrais prendre des heures accumulées que j'ai ou genre des jours de maladie, là.
écoutez, ça sera ça. Ou sinon, ben gars, je serai pas payée si j'ai trop de la misère à travailler avec les enfants. Fait que bref, c'est ça qui est ça. Fait que moi, je vous laisse pour le moment. Je vais aller... ça mange ce divan. Puis ça sale le divan. En tout cas, moi, je vais mettre mon divan à laver bientôt. Jasmin, assis-toi! Parce que là, j'ai enlevé, avant de fermer, je vais vous montrer là. Oh boy! J'ai enlevé, un instant, je monte, les pattes de sur mon divan. Fait qu'il est direct sur le plancher parce que mon chum m'a donné mon cadeau de fête à l'avance. Mais en fait, c'est juste le 29 juin. Mais t'es comme, mon Dieu, Amy, ça va te sauver la vie. Mais c'est vrai. C'est vrai, vraiment là. Mais je monte. C'est vrai, maman! Tadam! Une balayeuse qui marche tout seul, puis elle lave le plancher aussi. Il faut juste que je la remplisse avec de l'eau, dans le fond. Mais je la fais partir le soir. Puis c'est magique. Le lendemain, c'est comme mon plancher est quand même propre. C'est sûr que je vais essayer de laver mon plancher au moins une fois semaine ou semaine et demie, mais ça paraît vraiment que j'ai cette machine-là maintenant. C'est magique. J'aime vraiment ça. Je suis vraiment contente de mon cadeau. Ça faisait longtemps que je voulais essayer, mais tu sais, c'est ça qu'au prix que c'est. J'étais comme. C'était comme à réfléchir, tu sais. Mais là, mon chum l'a eu en rabais sur Amazon. Tu sais, c'est pas elle qui vaut genre je sais pas combien, là. C'est une version comme plus cheap, je dirais. Mais elle va super bien. Je suis vraiment contente. Fait que voilà. Fait que c'est ça, là, je vous laisse pour vrai. Je m'en vais faire mes petites affaires. Puis on va s'en parler un petit peu plus tard. Je sais pas ce que je vais manger pour souper. Je vous en reviens tantôt. De toute façon, vous allez sûrement me voir faire à souper. Ok, ben à tantôt! T'as la jambe prise encore? Maman va t'aider. Maman, t'aides-tu? Que mon fils, il a tombé. C'est un vrai cascadeur. Lui, il faut vraiment le surveiller, là. C'est fou raide. Fou raide. Puis il a tombé, là, mais il va retourner à la même place qu'il est allé. L'enfant, il monte sur le divan. Là. Oui, mon amour, je t'amène ça. Tu me laisses-tu un petit 2 minutes? Non. Oui. Non! Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Je me suis levée. Ma grand-mère est venue m'aider à faire du ménage. Fait que, comme rendu ma femme de ménage, elle va venir une fois aux 2 semaines. Elle va venir une fois aux 2 semaines, puis ça va vraiment m'aider. Tu sais, comme aujourd'hui, à laver la salle de bain, à plier du linge, ça m'a vraiment aidé. Je suis vraiment heureuse de pouvoir me le permettre, là, parce que c'est quand même... J'ai vraiment de la misère à gérer mon temps. Quoi? Un instant. Bon, fait qu'il est assez à mauvaise place. C'est un vrai cascadeur, je vous le dis. Mais bref, je suis vraiment contente de me le permettre parce que c'est ça, ma mamie a fait des ménages un petit peu partout. Puis, tu sais, c'est le fun aussi, elle vient faire du ménage, elle en fait avec moi, fait qu'on jase, on est la journée ensemble. Fait que je suis vraiment contente. Sinon, ben c'est ça, j'ai fait des muffins aussi, je vais vous les montrer. Il y en a qui sont partis.
parce que j'en ai mangé un, ma mamie en a mangé un. Mais j'en ai pris dans le fond. J'en ai pris. J'en ai fait brisure de chocolat puis aux bananes. Ils sont très bons. Et bon, c'est ça. Après ça, j'étais allée chercher Clara à la garderie. Le point de presse du jour, dans le fond, était très encourageant. Le monde qui a été évacué, ils ont le droit de retourner chez eux. Puis il pleut. Genre, il pleut vraiment beaucoup. Ça l'aide vraiment beaucoup les feux. C'est encourageant, mais ils disent que c'est sûr, c'est pas gagné, là. Le feu, il est encore hors contrôle, puis il est encore gros, puis tout ça. Mais, en tout cas, c'est ils ont renvoyé le monde chez eux. C'est très sécuritaire, tout ça. Ils ont même écrit des points. Ils ont fait un petit communiqué de presse là, sur Facebook, puis ils ont écrit les points. Pourquoi il avait pris cette décision-là, parce que le monde chialait, là. Tu sais, c'est jamais content. Ça chiale parce que c'est pas chez eux, mais ça chiale parce que ça retourne chez eux, tu sais. Bref. C'est tannant. C'est tannant, ça m'énerve le monde qui chiale tout le temps. Pourtant, je chiale quand même souvent, mais... Tu sais, ils chialent pas. Tu sais, comme le monde sont comme... Oh, le monde du gouvernement... Clara, tape pas ton frère. Le monde du gouvernement, genre, ils font jamais rien. Blablabla. Hey, vas-y, donne ton nom pour être le premier ministre, puis on va voir si tu fais la meilleure job, tu sais. Ça m'énerve. Bref, là, bon, j'ai allumé le phare. J'ai allumé le four, c'est déjà un plus. Mais c'est ça, je vais faire des croquettes et des frites à mes enfants, puis moi je sais pas trop qu'est-ce que je vais manger, mais je vais essayer de manger quelque chose de quand même suivre mon plan, là, parce que si je mange des croquettes puis des frites, je mange presque rien pour suivre mon plan. j'ai reçu aussi un colis. J'ai commandé chez Olive. Et dans le fond, ils font des chandails avec des fleurs de naissance, là. Je trouve ça vraiment... C'est beau. Moi, j'aime vraiment ça. Puis, je me suis commandé un crew neck. Là, elle a envoyé aussi une petite carte. Avec les fleurs de naissance, avec une carte de remerciement. Comme ça. Puis, mon chandail, je vous le montre, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pris en plus grand parce que moi, j'aime ça mettre des crewnecks grands avec des leggings. Check it out. Il est hallucinant. Il est rose flash. Mais tu sais, il a l'air plus foncé à la caméra, mais il est pas foncé. Là. Il est comme un rose saumon flash, mais il sonne. Il a l'air plus fuchsia à caméra, mais c'est pas la bonne couleur. Puis j'ai fait mettre dans le fond des fleurs de naissance dessus. Fait que dans le milieu, c'est la rose. Ça, c'est à moi. Ici, c'est je sais pas quoi, là, mais en tout cas, la fleur de naissance à jasmin. Puis ici, c'est la fleur à Clara. Fait que je suis vraiment contente. J'aurais pu mettre la fleur à mon chum, là, mais c'est ça. J'ai décidé de juste faire mes enfants avec moi. Je trouvais ça plus beau seulement trois fleurs que si j'en mêlais avec plein d'autres, hein, mettons. Je suis vraiment contente, fait que je vais pouvoir le laver et le mettre. Si demain il mouille, c'est sûr que je vais au bureau avec ça. Là. C'est sûr, sûr, sûr. Puis il a pas l'air, t'sais, trop chaud, trop, ouais. Trop épais, il est super. Checkez ça, la texture à l'intérieur là. Full doux là, c'est vraiment hot. Je suis vraiment contente de mon achat. C'est sûr qu'il coûte cher, ça a coûté cher. Plus la livraison puis tout là. Viens toucher mon amour, viens toucher là dedans. Viens, touche dedans, ici. Doux, hein? Oui. Fait que je suis vraiment contente de mon achat. Et j'ai fait une commande chez Shein. Je sais pas trop comment on dit finalement. J'ai fait une grosse commande. Genre vraiment grosse. Ben grosse. On s'entend. J'ai commandé quand même plusieurs robes. 5-6 robes. Je me suis commandé. Je m'en vais voir Shein à Twain. C'est pas samedi qui s'en vient, c'est l'autre. Fait que je m'en vais voir Shein à Twain. Ben vous autres, vous allez le voir dans le fond. Ce vlog-là, la semaine prochaine. Fait que, dans le fond, en fin de semaine, je vais avoir Shania Twain. Je capote.
c'est le rêve à ma mère. Moi, Shania Twain, tu sais, je l'aime, mais tu sais, c'est pas ma chanteuse préf. Mais j'ai offert ça à ma mère. On est comme, en tout cas, vraiment très proches. Clara, lâche ton frère, s'il te plaît. Clara? On est vraiment comme proches. Je vais essayer de vlogger cette fin de semaine-là. Je pense que ça va être vraiment cool. Puis, Clara, lâche ton frère. Ok, mais je veux que tu l'enlèves, s'il te plaît. Fait que c'est ça, je vais se commander un chapeau de cowboy, une robe qui va avec le kit et des bottes de cowboy chez Shein. Fait que j'ai hâte de... Tu sais, c'est ça, c'est pas de la... des vraies bottes de cowboy, là. Mais, tu sais, je suis pas du genre à en mettre souvent non plus des bottes de cowboy, pis ni des chapeaux de cowboy. Fait que j'ai vraiment hâte de recevoir ma commande en espérant que je la reçoive avant. Avant de m'en aller. Parce que sinon, je sais pas ce que je vais mettre. À cette île, on a vraiment pas grand chose. Ben, grand place au magasiner. Fait qu'il faudrait que j'aille. Dans le fond, on a samedi toute la... On part vendredi. Vendredi le 16 juin. Le show, c'est le 17 au soir. Fait qu'on est la journée du samedi au complet. Puis dimanche, on en revient. Fait que je nous ai loué aussi une hôtel. Tout ça. Et ma tante, qui est la soeur à ma mère, elle vient aussi avec nous. Et la meilleure amie à ma mère, oui, je sais, mon amour. Oui, je sais. La meilleure amie à ma mère, elle vient aussi. Non, là, il est correct, là, OK? Fait que je suis vraiment contente. Ma mère, elle a assez hâte, là, vraiment hâte. En espérant que les feux de forêt feront pas en sorte que Shania Twain, elle se dit genre, ah, ben, je vais annuler mes shows. Ma mère, elle serait vraiment triste. Ou que nous, on soit pas capable d'y aller parce que, je sais pas, ils ferment des routes à cause des feux ou quoi que ce soit, là. Ça serait terrible. Ma mère, elle serait vraiment, là, vraiment triste. Faudrait qu'ils en replacent au moins, tu sais. Mais ma mère, elle a assez hâte à la semaine prochaine que c'est ça. Moi aussi, j'ai hâte de recevoir ma commande Shein pour savoir si ça va être cute. Puis j'ai hâte d'y aller aussi, ça va être le fun, une sortie entre ma fille et ma tante. Ça va être cool, ça va me faire du bien de sortir aussi. C'est sûr, je vais m'ennuyer de mes enfants, mais tu sais, comme ça va me faire du bien de sortir un petit 3 jours seule, sans enfants. C'est rare que je sors sans enfants, là, pour être honnête, là, même pratiquement jamais. Bon, fait que tantôt, j'ai manqué de batterie, je sais pas ce que je disais. J'aurais peut-être dû écouter le clip avant de refaire un autre clip, mais j'ai aucun souvenir de ce que je disais. Fait que, ouais, c'est ça. Après ça, ben là, c'est ça. Je suis allée chercher Clara. Non. C'est quoi? Je sais quand j'ai filmé. Non, Clara était déjà revenue, hein. C'est avant de souper. Ah oui, je me suis fait des sandwichs avec du petit poulet que j'ai fait cuire moi-même vendredi passé. Vendredi, samedi? Je sais pas. Ça fait pas si longtemps qu'il est dans le frigo, là. Il est encore bon. Que j'ai fait cuire, puis il est vraiment bon, là. Il est vraiment... la saveur est vraiment bonne. Fait que là, moi j'ai mangé ça avec des légumes. Mes enfants ont mangé des croquettes avec des frites. Et là, je suis en train de faire des petits sandwichs à mon chum avec ces pains-là. Les pains burger sésame, là. Fait que je vais mettre une tranche de fromage, du poulet. Il va sûrement manger ça avec des chips ou quoi que ce soit. Et après ça, je vais aller laver mes enfants. Je me disais là, tantôt... j'ai pas envie de les laver à soir, je les ai lavés hier, fait que je vais passer une journée. Mais là, aujourd'hui, on a eu chaud dans la maison, puis Clara a dit, oh maman, je me sens sale, je me sens... J'ai eu chaud, je suis maman, je suis mouillée. J'ai dit, ok, parfait, on va aller se laver. Parce que des fois, ça m'arrive de passer une journée. L'hiver, là, c'est rare que je vais les laver à chaque jour. Là. Je les lave... Quoi? Attends. Fait que, ouais, l'hiver, tu sais, je vais les laver, je vais passer une journée, après ça, je vais les laver, puis tout ça. Mais, c'est ça, on a plus chaud, hein, quand que, il fait plus chaud. Moi, j'ai essayé d'aller me coucher, puis, tu sais, comme avoir sué durant la journée, puis je vais me coucher, puis je me sens sale, là, j'ai ça, là, fait que je la comprends très bien. Je la comprends très bien, c'est ça, de vouloir aller se laver, mais j'étais comme, ah, oh, il me semble que j'ai pas envie de la laver à soir. Mais si je vais faire ça rapido presto, là, j'ai pas de cheveux à laver, ça va être vraiment, tu rentres, tu sors, après ça... Tu t'en vas te coucher. Là, il est 6h. 7h moins 20 à peu près.
Ouais, 7 ans moins 20. Fait que c'est ça. Là, je vais faire les sandwichs à mon chum. Je m'en vais laver mes enfants rapidement. Je les couche. Après ça, ben moi, je vais aller m'entraîner. Je vais aller faire après ça. Ben, je vais aller me laver moi-même. Ben, j'ai sué aujourd'hui. Il faisait vraiment chaud. Puis tu sais, comme il y avait vraiment de la fumée là dehors. Puis c'est pas. C'est ça. C'est, tu sais, quand tu respectes ça, c'est pas bon. C'est toxique. Puis dès que la qualité de l'air était pas si bonne, fait que de, tu sais, de moins ouvrir nos fenêtres, puis tout ça, puis de fermer nos airs climatisés, toute la patente, fait que j'ai quand même eu chaud, puis j'ai fait des muffins en plus. Je me suis servi du four aussi pour faire des croquettes puis des frites. Fait que c'est sûr que dans la maison, il fait vraiment chaud. Mais c'est ça, fait que je vais aller m'entraîner. Je suis raquée d'hier, là, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux fesses, mais ça c'est bon signe, ça veut dire que ça a travaillé. et après ça, ben je vais probablement faire du montage. Non, c'est pas probablement, il faut que j'en fasse parce que le vlog, dans le fond, que je vais aller faire ce montage-là, c'est un vlog que j'ai filmé il y a genre une semaine, peut-être plus. Là. Fait que là, c'est le moment que je le mette en ligne. Là. C'est juste que j'aime ça faire du montage, vous le savez. Mais j'aime ça faire des vidéos. Écoutez, genre moi, je ferais des vidéos à chaque jour si quelqu'un ferait mes montages. Sauf que là, je fais aucun argent avec mes vidéos. Fait que ça serait peut-être un peu niaiseux de prendre quelqu'un qui fasse mes montages. Mais dans un autre sens, ça serait probablement stratégique parce que plus que je fais de vidéos, plus que je t'active, plus que les gens me voiraient, plus que l'algorithme, ça serait meilleur. Mais en ce moment, c'est ça, je fais mes montages, puis c'est juste un petit peu plus long avant que je fasse la mise en ligne. C'est tout. Mais c'est ça, ça m'aide vraiment pas. Et vu que j'aille ça faire du montage, ben ça arrive qu'il y a des fois que je vais passer, tu sais, quelques mois à rien faire. Parce que là, je filme souvent pendant ces mois-là, mettons, mais je fais jamais le montage. Fait que je mets jamais rien en ligne. Fait que ça m'aide vraiment pas. Tu sais, c'est pas que j'en regarde les chiffres, là, ça a pas rapport, là. Mais je veux dire, tu sais, je le vois, là. Quand je mets une vidéo plus souvent, c'est sûr que les abonnés montent plus rapidement. Tandis que si j'en mets une à chaque 6 mois, comme ça a été, parce que moi, ça fait quelques années, je suis sûre, ben, 2-3 ans. Ouais, 3 ans. 3 ans et demi. Hey, je vais m'asseoir le temps que je finisse de vous parler. Là. J'en ai pour 1 minute, OK? ouais, ça fait 3 ans et demi. J'étais enceinte de Clara, dans le fond, quand j'ai commencé à faire les vidéos. Et bon, j'ai accouché de Clara. Pour ça, j'ai fait comme une vidéo. J'ai fait ça, quelques vidéos après mon accouchement, pendant quelques semaines, mais c'était comme... Tu sais, des fois, il y avait une vidéo, puis après ça, un mois plus tard, il y avait une autre vidéo. Après ça, une semaine plus tard, il y avait une vidéo. Puis après ça, tu sais, fait qu'on savait comme jamais quand j'allais faire une vidéo. Après ça, j'ai arrêté pendant près d'un an de faire des vidéos. J'ai recommencé. Puis après ça, je suis tombée enceinte de Jasmin, puis j'en ai fait un petit peu. Après ça, j'ai pris encore un break. Et après ça, j'ai recommencé, fait que ça aide pas, là, mais c'est à cause que j'ai de la misère à faire du montage. Mais pas j'ai de la misère, c'est que je trouve ça long. Je trouve ça long, même si mon montage est très, très basic, là. Papi, yo, papi. Oh. Yo, papi, mon amour. Ah! Fait que c'est ça. Mon montage est très basic, mais je trouve ça long quand même, puis c'est ça. Mais vu que j'aime ça faire des vidéos, je fais mes montages pareil. C'est juste un petit peu plus long, mais c'est sûr que c'est pas aidant niveau... niveau... Et boy, niveau... OK. On va l'avoir niveau constance. Fait que... Sur ça, moi, je voulais... Il m'étrange. Sur ça, moi, je vous laisse... Je m'en vais... Voyons! Je m'en vais m'occuper de mes sandwichs. Ben, de ceux-là, mon chum. Et... OK! Et après ça... OK, un instant. Et après ça, je m'occupe de ma marmaille. OK, bye! On se voit très bientôt! Clara, tu dis-tu bye? Bye! Bye-bye! Jasmine, tu dis-tu bye? Bye! Bye!
Bye, Kassa. Bye. Je vais la voir. Jasmine, tu dis bye. Bye. Bye.